Écoute, là, ce que tu vas lire, aucun tzaddik depuis la création du monde a dit une parole pareille. Aucun. Aucun. Maintenant, malheureusement, nous les Français, on n'a aucune connaissance. Donc, on peut se dire, ah bon, comment il ose dire ça? Mes amis, ça ne se pose pas comme question. Quand un tzaddik, de cette manière, de cette grandeur, que personne au monde s'est opposé à Rabbeinu, en tant que c'est personne. Personne a osé dire sur un mot que peut-être il s'est trompé. Personne, 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 personne. Bidou Kafour, à l'envers. D'accord? Donc, de dire ici qu'il ment, qu'il exagère, ou que c'est faux, on n'a pas le droit. C'est un sourd, c'est un pgam dans Emunat Chachamim. Donc c'est obligé que ce qu'il y a écrit ici, c'est émettre la mito. D'accord? Maintenant, écoutez comment il s'avance et qu'est-ce qu'il dit à nous. Écoutez bien. Il disait: chaque pratique que je recommande à mes disciples est propice, répare et aide énormément pour le passé, le futur, après la disparition d'un homme de ce monde, et pour les temps messianiques, la résurrection des morts, et pour les temps futurs. T'imagines là? T'imagines? Là, il a inclus le passé, le présent, le futur, et le futur du futur. Et là, il n'a pas dit pour un seul conseil. Chaque pratique. Chaque chose que je vous donne, comme chaque conseil, chaque enseignement, chaque parole que je vous donne, c'est pas juste bien pour un concept d'une personne dans une catégorie pareille. Non. C'est pour tout le monde et pour tout le temps. Pour maintenant, pour après la mort, après le Mashiach et après le Mashiach. Ça veut dire c'est infini. Je vous ai pas donné, tu sais, il y a des gens qui viennent et qui disent sur cette maladie, prends ça, ça va t'aider. Maintenant, tu prends le cachet. Ça t'enlève le mal, mais la maladie, elle est toujours là. D'accord? Là, Rabbeinu, il vient et dit, moi ce n'est pas un conseil que je vais te donner sur place. C'est un conseil qu'au moment où tu vas le prendre, ça va te réparer totalement jusqu'à la fin de tous les temps. Plus jamais tu vas en parler de ce problème. Terminé. Chaque pratique. Je la relis, cette phrase. Mais va pas qu'il faut la relire. Chaque pratique. Mais en hébreu, je vais te la refaire en hébreu, parce qu'en hébreu, le Lachon de Rabbeinu, c'est inimaginable. Moi, je connais quelqu'un qui est devenu Breslev rien qu'en lisant cette phrase, maman. Parce que lui, il a la Emunat Chachamim. Il sait ce que c'est quand un tzaddik il dit. Donc, quand tu entends, par exemple, imagine-toi, Chas v'Shalom, l'Avdil, Elef Alfe, Avdalot, Jeff Bezos, ou alors des grandes personnes comme ça. Elon Musk. Ou alors Elon Musk qui vient et qui dit, écoutez, j'ai un conseil dans le business à vous donner. Bombe atomique. Tu t'allumes devant lui comme un chien galeux, comme ça. C'est ce qu'on fait. Ça, mon frère. C'est Rabbeinu, il vient et il te dit, écoute. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Ve'amar beferouche beze à la chante. Ve'amar, il a dit beferouche, c'est-à-dire vraiment dans ces mots, beze à la chante, dans ce mot-là. Kol anaga ve'anaga. Chaque coutume, demande, au comportement que je vous demande. Shani metzave la sot, que je vous ordonne de faire. Ousgoula, c'est une ségoula. Vetikoun, et une réparation. Ou Moïl, et sa aide. Alkol, Machava, à tout ce qu'il a fait dans le passé. Alatid, tout ce qui va se passer dans le futur. Ou la Haristakout Adam, ça va l'aider même après sa mort. Veleyemota Mashiach, quand Mashiach viendra aussi, ça va l'aider. Veletriatametim, et même quand on va avoir la résurrection. Parce qu'après la résurrection, il écrit que quand on va se relever dans la résurrection, on va être comme Adam Arishon avant la faute. Alors apparemment, tu vas dire, où il est le problème? Quelle mauvaise chose il y a? Rabbeinu, il dit, mon conseil est tellement puissant que même à ce moment-là où tu seras comme Adam Arishon avant la faute, ça va t'aider encore ce conseil-là. Les triatametim, velatid lavo. C'est quoi velatid lavo? Dans le 8e millénaire, le 9e, parce qu'on est dans le 5e, 6e millénaire. Même le 7e millénaire, le 8e, le 9e, le 10e, où il y a écrit qu'on commence à devenir des anges, etc. Où personne ne sait ce que c'est. Rabbeinu, il dit, mon conseil, il va jusqu'à là-bas. Tous mes conseils. Mais, à qui on a affaire? À qui on a affaire, les gars? Le premier conseil que Rabbi Nathan a entendu de Rabbeinu, c'est parle à Hachem comme un ami. Ouvre-toi à lui. Ouvre-toi. C'est que à lui qu'il faut passer.